Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va jouer à One Piece World Seeker. Alors, c'est un jeu qui se voulait très ambitieux, on va dire, dans la licence One Piece. Moi, je me rappelle que je jouais sur GBA, Game Boy Advance, le jeu One Piece, le jeu de combat. C'était vraiment vachement cool. C'était super sympa. J'adorais ce jeu. Je l'ai terminé plus d'une fois. J'ai débloqué tous les personnages. Bref, c'était un jeu magnifique. Et puis, j'ai joué au 2, qui est sorti uniquement au Japon, je crois. Je crois qu'il n'est jamais sorti sur, en Europe. Et pareil, je l'ai retourné, je l'ai fini, j'ai terminé, j'ai débloqué tous les personnages, tellement j'adorais ce jeu. Et puis, ça fait longtemps en fait que je n'y ai pas joué hein, une licence One Piece, et puis celui-là est venu. Alors c'est vrai que je le découvre un peu en retard, je m'en excuse, mais je prends mon temps quand je joue à un jeu vidéo. Je prends mon temps à l'explorer, je ne suis pas à la tendance comme des centaines, des milliers d'youtubeurs. Comme vous pouvez le constater, par exemple comme The Last of Us, voilà. Depuis qu'il est sorti, on ne voit que ça sur Internet. Puis moi, je prends mon temps, j'explore les jeux que j'ai envie d'explorer, et puis c'est tout. Et donc c'est l'occasion pour moi de découvrir ce jeu. Apparemment, il se veut très très ambitieux. On va contrôler Luffy dans un open world, quand même dans cet univers très riche. C'est vachement cool, on va dire. Et puis voilà, donc c'est qui ça? C'est de nouveaux personnages, apparemment c'est une nouvelle histoire, ça prend, ça ne reprend pas en fait l'histoire de l'anime, l'anime d'ailleurs que j'ai arrêté de suivre malheureusement, ça fait des années maintenant qu'il existe maintenant One Piece, et jusqu'à aujourd'hui, bah, les épisodes encore, il y en a encore et toujours. Moi je l'ai, j'ai arrêté dans, attendez, si je me souviens bien, Don Flamingo, voilà, cet arc là, j'ai arrêté, j'en pouvais plus. Même si j'ai une certaine envie de reprendre l'animé, mais au final bah, je le fais pas. Alors, elle s'appelle Jeanne, apparemment, celle-là. C'est un nouveau personnage qu'on découvre. D'accord, ok. Alors, go to Sapphire Town. Alors, il y a une mini-map, juste en bas à droite. Et, ah voilà, donc c'est un genre de tutoriel. Donc, on a la barre de vie de Luffy à gauche, en bas. Et on contrôle le chapeau de paille. En tout cas, à première vue, c'est super beau. J'aime bien le style graphique. Alors, on peut courir en appuyant sur L3, d'accord. Alors, je peux voir l'objectif qui est juste là, indiqué par une flèche bleue. Ah, c'est quoi ça? J'essaye de voir ce qu'il y a en haut. Apparemment, il y a une forteresse juste en haut de nos têtes. Mais par contre, là, il n'y a pas d'ambiance. Il n'y a pas de musique. Alors ça, c'est le premier ennemi. Alors attention, il a... c'est quoi ça? Ah d'accord, il faut que j'appuie sur X. X, bien sûr, la manette Xbox. Voilà. C'est bon? D'accord. Il était facile. Alors, donc, ouais, je vous disais qu'il n'y avait pas d'ambiance, il y a vraiment pas de musique. Juste là, on vient d'entendre le thème d'un combat, mais sinon, c'est vide. J'espère que ça ne sera pas comme ça tout le long du jeu. Quand on arrivera à un village, j'espère qu'il y aura un peu de musique, il y aura un peu d'ambiance. D'accord, il faut que j'appuie sur Y pour ramasser les objets. D'accord. Alors, je peux sauter et frapper en même temps. Je découvre les commandes, hein. Donc laissez-moi un petit peu de temps. Comme ça, je pourrais très bien m'initier au jeu. Alors,
On continue notre petit bonhomme de chemin. Alors, l'objectif est toujours le même. Go to Saphir Town. On va arriver à une ville apparemment. Alors ça c'est quoi? Alors, you can sneak up behind enemies without being... Ah d'accord, on peut éliminer les ennemis furtivement. On va voir ça. Alors je vais essayer de m'approcher. Alors est-ce que je peux m'approcher discrètement ou alors le garde ne va pas... alors... Ok, je peux y aller normalement apparemment. Hop! Pas mal! Pas mal du tout. Donc le jeu nous incite aussi à jouer la carte de la furtivité apparemment. Ok. Par contre les personnages ne parlent pas beaucoup apparemment. On n'aura que des petits dialogues juste en dessous de l'écran. Alors est-ce que je peux éliminer celui-là discrètement? C'est bon. L'autre, est-ce qu'il va se rendre compte? Non. D'accord. À savoir que je suis en difficulté normale. Je vous ai épargné la cinématique du début parce qu'elle est vachement longue. Je pense qu'elle dure 7 ou 8 minutes. J'ai préféré donc commencer directement pour ne pas perdre de temps. Alors, ici, on peut grimper. Oh! Oh, joli! Ah, ça, j'aime bien. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir les portes? Non, ça m'étonnerait. D'accord, on peut escalader. Ça, c'est super marrant quand même, hein. J'aime bien. Ah, une petite cinématique. Ah, il nous indique la ville. Ok. Bah, on est presque arrivé, hein. On est presque arrivé. Alors, l'objectif, par contre, il a été mis à jour. Go to the bridge area. D'accord, il faut qu'on aille au pont de cette zone. Alors, si je saute directement, est-ce que j'aurai beaucoup de pertes de vie? Ou alors, est-ce qu'il peut sauter normalement? Bah, normalement, il ne pourra pas avoir de... D'accord, je vais jouer la carte de la prudence. Comme ça, je ne perdrai pas énormément de points de vie. Mais je pense qu'il n'aura pas beaucoup de dommages si je saute directement, vu sa capacité à être un homme caoutchouc. Alors, une autre cinématique. En fait, ce n'est pas des cinématiques, c'est juste pour nous montrer où aller. Alors, on peut marquer les ennemis en plaçant juste le curseur sur eux. Bah, très bien. C'est comme dans Assassin's Creed en fait. Est-ce que je dois appuyer sur le curseur ou pas? Ah, attendez. Ah d'accord, donc il suffit juste que je fais passer le curseur sur eux et ils seront marqués. Très bien. Ok. D'accord. Allez, on va essayer de les éliminer. Les ennemis un peu discrètement. Voilà. Et de 1. Ah, l'autre, il s'en est rendu compte. D'accord. Et on gagne des points de compétences. Bien. Alors, on va s'occuper de celui-là. Ah, l'autre, il rapplique aussi. Tac. Ah, les combats sont assez stylés quand même, hein. J'aime bien. Voyez, là, on entend la musique de combat. Mais dès que ça se termine, il n'y a plus rien. Allez, viens toi. Voilà. Je le prends par surprise. Et voyez là, il n'y a plus rien. Le jeu, il n'y a aucune ambiance musicale. Bon. C'est un style. Faut aimer. Moi, en tout cas, je vous cache pas que ça me plaît pas du tout. Alors, ah, là, peut-être on arrive à un village. Ah non. D'accord, les personnages ne parlent pas, comme je vous le disais. Ils parlent juste dans les cutscenes. Bon, quand même, ils parlent un petit peu. En tout cas, j'aime bien le style graphique du jeu.
D'accord, c'est toujours la même rengaine, hein. Les marines qui attaquent, ils sont méchants, tout ça, tout ça. Ah, Chopper! Il est apparemment quelque part. Attendez, il est à l'église. Alors, il faut que j'aille à l'église apparemment et trouver Chopper. Alors, c'est le premier objectif. Ok. Ah, là, il y a de la musique. Non, j'ai parlé trop tôt. Il n'y a plus de musique. Alors, ici, je peux sauvegarder. Très bien. Alors, je vais créer un fichier. Hop. D'accord. Ça sauvegarde rapidement, en plus. C'est bien. J'ai oublié de vous dire, hein, je suis sur PC. Et je joue avec une manette PS4. Voilà. Alors, le prochain objectif, il est juste là. Ok, j'admire entre-temps les décors. Ah, ça j'aime bien quand même, hein, le fait de se déplacer rapidement sur les toits des bâtiments. Bien. Ok, est-ce qu'on peut lui parler? Oui, apparemment on peut parler à tout le monde, hein. Très bien. Alors sur la carte, vous voyez, il y a des petits points blancs. C'est en fait les items qu'on peut ramasser. Wild Heat, Wheat, d'accord. Bon. Hop. Alors ici, il y a des bateaux. Apparemment, on peut s'accrocher aux arbres aussi. Ah, j'oublie à chaque fois de courir, hein. Je prends des petits morceaux de bois. Mais par contre, je sais pas à quoi ça sert les items qu'on ramasse. Sûrement à confectionner quelques trucs, quelques objets. Bon. Alors ça, c'est qui ça? Alors, il nous dit, il y a une église, d'accord. Très bien. Apparemment, on peut aller où on veut. On est libre. Bon, là, sur la carte, est-ce qu'il y a un objet? Sur le toit, ici. Oui, il est juste là. Je me disais aussi. Hop là. Assez stylé quand même, le fait de se déplacer comme ça. J'aime bien. Ah, il y a un autre objet ici. On va le prendre. Small cocoon. D'accord. Là, on arrive quand même à la grande place, apparemment. On s'approche de l'église. Je vais aller par là parce qu'il y a des ennemis. Je vais les marquer comme ça. Là, par contre, celui-là, je ne sais pas dans quelle direction il regarde. Parce que je veux l'éliminer furtivement. Ouais, c'est bon. L'autre, il est juste. Mais je pense qu'il va se rendre compte. Voilà. Allez! Un petit plongeon dans la mer. L'autre, il se doute de quelque chose, apparemment, vu l'icône jaune sur sa tête. Tant qu'elle n'est pas rouge, normalement, c'est bon. Ah! Ah, comment il m'a vu? Bon, je vais m'enfuir. Et je vais jouer. Allez, viens! Alors, est-ce qu'il me poursuit? Non, il est resté juste là. Est-ce que je peux l'éliminer comme dans Assassin's Creed, comme ça? Ah, j'ai raté. Ah oui, c'est bon. C'est bien. Alors, Small Bone. Un petit os. Tac. Mini Express Shrimp. Encore une fois, hein, je ne sais pas à quoi ça sert ces objets. Mais je pense que. Ouais, très certainement, c'est pour confectionner des trucs, des items. Bah, je verrai ça, hein, hors caméra. Alors, je peux contourner le garde en montant juste en haut. Tac. Ici. Voilà. Allez. Quoi, il peut pas sauter? Oh non. Il fallait juste que je fasse.
Je fasse l'action avec mon bras pour que je pour qu'il saute. Sérieux? Ouais, le gameplay il est assez rigide hein, par moment. Mais comment il m'a vu? Aïe! Je me demande comment il m'a vu celui-là. J'étais par contre. Pourtant j'étais derrière le mur. Allez, on parle à celui-là. Voilà. Pas grand-chose à dire. Allez, on remonte. Ah, on y est déjà? Elle est là, l'église? Parfait. Alors, pourquoi j'arrive pas à les marquer, ceux-là? Ok, bon. Il me voit pas là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais aller, hein. Hein? Ah d'accord, c'est scripté. C'est scripté. Ah par contre, ils ont le même visage, les soldats de la marine. C'est un peu abusé quand même. Donc c'est des frères jumeaux. Bon, je pense qu'on va se battre contre eux. Et puis on va s'arrêter là. Je suis désolé, je vous ai pas montré grand-chose aujourd'hui. Mais ce n'est que le début du jeu. Allez, un petit combat. On retrouve Chopper et on arrête là. Alors, ça c'est un dodge. Faut que j'appuie sur rond. Enfin, B. Touche B. D'accord. Écoutez. Ah, ça c'est pour esquiver, je pense. Ah, c'est beau. Allez, on n'en parle plus. Ok, bon. Il faut que j'aille à la base qui est située au nord de Sapphire Town. Ok, bon. Apparemment, il se situe juste là-bas. Allez, je prends Small Plume. Ce qui est sympa quand même, c'est qu'il nous indique toujours la direction de l'objectif de la mission. Et ça nous facilite quand même l'exploration. Encore une fois, c'est immense apparemment. Hein. Voilà, donc les PNJ en fait nous aident à nous repérer. Ils nous disent que il y a par exemple ici, il y a une base juste là. Je prends ce petit objet, Needlegrass. Ok, je pense qu'elle est là. Allez, je sauvegarde. Tac. Et puis on va s'approcher de cette base. Par contre, niveau ambiance, c'est vide, hein. C'est vachement pauvre au niveau musical. Ouais, je comprends pas. Bon, écoutez les amis, on va s'arrêter là, hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors c'est vrai que je ne vous ai pas montré grand-chose non plus, mais en même temps c'est normal, c'est le début du jeu. Je ne pouvais pas montrer plus que ça. En tout cas, je vais essayer de l'explorer ce jeu. Hein. Apparemment, il a l'air pas mal, même si il fait paraître quelques défauts, même au début du jeu, comme par exemple l'ambiance qui est vraiment pauvre. Mais voilà, je vais explorer ça de mon côté, je vous en ferai part sûrement dans une vidéo critique. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à partager. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt, pourquoi pas pour de nouvelles vidéos Play with Mr. Egg. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Salut!